Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mutant Factory, épisode 12. Dans cet épisode, nous allons construire un spawner à Wizard Skelet. Donc j'en ai capturé un là. Skeleton. J'en ai capturé un dans le Nether. J'ai trouvé un spawn pas loin de là où on atterrit dans le Nether. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un spawner. Alors, pourquoi j'ai fait une Veterinary Station? Très bonne question. Normalement, j'aurais dû faire un grinder, mais c'est pas grave. Je vais tout de suite en faire un parce que je me suis gouré en fait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, c'est pas très grave. Donc, dans cet épisode, on va faire un spawner à Wizard pour pouvoir faire spawner des Wizards. Donc, j'espère que d'ici la fin de l'épisode, on va enlever en buter un parce que ça, c'est swag. Donc, voilà ici. Donc, un grinder, comment ça se craft? C'est simple, grinder. Voilà, donc une épée, un piston, un bouc, un factory, du plastique, et c'est parti. Alors, gold, on va tout de suite se faire une épée. Voilà, voilà, clouc, sticky piston, stick, pardon. Hop, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, il nous faut du plastique également. 1, 2, 3. Voilà. Un bouc. Parce que ça, c'est trop bien. Voilà. Une épée. Il nous fallait quoi encore? Un piston. Alors, on va chercher ça de suite. Hop, on va en crafter un. Voilà. Un piston. C'est parti. C'est la fête. Une Factory Machine Block, j'en ai recrafté parce que j'en avais besoin pour autre chose. Voilà, hop, tac, tac, là, voilà, un book, et c'est parti, on a un grinder. Donc, comment ça a marché? On a le spawner, on a l'énergie Tesseract, il m'en faut un deuxième. Énergie Tesseract, hop, on charge. Donc on aura deux énergies Tesseract. On aura l'autospawner, le liquide Tesseract pour amener là. Je crois que c'est tout. On aura besoin d'un levier. Voilà, pour couper au cas où le spawner. La safari net, les blocs, et c'est parti. Donc énergie. Là, il est prêt. Tac, tac. Et c'est parti. Alors, tuk tuk tuk, où est-ce qu'on va se mettre? Pas loin de l'autre spawner, ce serait pas mal. J'avais pensé ici. Ici, c'est pas trop mal. On va faire un peu de terraformage. Voilà. Allez, hop. Voilà, voilà. Donc on a, ça a une portée de 5 sur 5. Donc là où on va mettre le spawner, autour on aura une zone de 2 blocs. Voilà, l'auto-spawner, c'est la fête. Toc, l'énergie Tesseract ici. Le liquide Tesseract ici. Donc là, on va mettre les fréquences. Alors, mob essence, sortie. C'est parti, voilà. Donc là, normalement, lui, il est alimenté en mob essence, c'est nickel. Ici, on va mettre le main, on le valide, et c'est parti. Ensuite, le levier. On va mettre le levier ici, voilà. Comme ça, poc. Donc, non, l'énergie Tesseract, on va le mettre en dessous, en fait. Ce sera mieux. Voilà, énergie Tesseract, clac, main, et c'est parti. Voilà, donc là normalement lui il est alimenté en énergie. Voilà, nickel, on va mettre la Safari Ball et il fait spawner des squelettes, bordel.
Et si je mets yes, ça fait spawner aussi des wizards. Nickel. Nickel, nickel. Alors, on va aller les défoncer. Parce que du coup, là, on en a beaucoup trop. Voilà. Toc. Toc. C'était un test. Je me suis fail. C'est pas grave. Voilà. Et il y en a encore un ici. Nickel. Donc là, on voit bien que ça fonctionne. Les wizards ont spawné. Donc là, on va faire la fête. Tuc tuc tuc. Maintenant, ici, on va mettre ça comme ça. On va mettre là un bloc. Faire un truc à peu près bien en stone. Je vais sûrement faire une tête de wizard. Ça va être marrant. Parce que ça, c'est joli. Voilà. Toc toc. Donc on verra ça après. Tuc. Voilà. Voilà. 1, 2, là on enlève, on fait là, on fait là, là, comme ça, on fait un carré, voilà, et on a une zone de 5 sur 5, parfait. Ensuite, ici, le grinder, on va le mettre au milieu, pareil, lui, il défonce de 5 sur 5, voilà, boum, l'under chest, ici, et ici, on va mettre l'énergie Tesseract, pareil, sur main. Voilà, validé, c'est parti. Hop. Ensuite, donc là, lui, il a pas besoin de mob essence. Ah oui, par contre, il en donne. Donc du coup, il me faut un liquide Tesseract en plus. Je vais aller en faire un de suite. Tuc, 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 allez. Et après, on ira se lancer, parce que là, j'ai eu Mickey juste avant, donc il est toujours à Montpellier, hein. Bordeaux. En fait, je tourne l'épisode directement après le précédent. Alors, Liquid Tesseract, nickel, c'est en plus c'est à moi. Donc il est toujours là-bas, et il m'a demandé, dans les billes, de récupérer une seule sorte de billes qui pourrait être pas mal, apparemment, d'après lui. C'est qui se trouve en fait dans des ruches qui ressemblent à la redstone et qui se trouve à peu près au même niveau que la redstone. Donc plutôt que d'aller miner manuellement, on va aller poser 9 quarries, ou peut-être 4, ça suffira peut-être, de 63 sur 63, qui est une grande taille pour ça. On va lui faire plaisir en les posant et en récoltant ces billes là, parce que comme ça il pourra faire ses croisements. Apparemment il y en a d'autres qui sont pas mal, des abeilles, mais je ne sais pas comment on les récolte, donc on verra, peut-être avec des croisements, je ne sais pas. Voilà, donc là on a ça, et lui il est alimenté Heatworm. On va voir si ça fonctionne de suite. Hop, on va aller voir si ça spawn. Attention, j'ai pas mis le liquide Tesseract sur le bon truc. Énergie Tesseract, là c'est bon. Le liquide Tesseract, on va le mettre sur ma baissance. Et voilà. Et c'est parti. On a quoi? On a bien des wizard squelettes. Le problème c'est que le grinder apparemment ne les tue pas. Ou bien, si, ça a l'air d'être bon. Impeccable. Par contre, lui il a spawné pas au bon endroit. Donc on va aller éteindre ça, voilà, on va agrandir. Toi, je vais te tuer. Voilà. Pourquoi il a spawné à côté? Donc, on va aller voir ça de suite. Peut-être agrandir ici, voilà, on a agrandi de 1. Clac, comme ça, histoire que ça spawn pas à côté. Voilà, tac, 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 ici. On va faire ça comme ça. En fait, je vais l'agrandir à l'extérieur, mais le laisser vide à l'intérieur. Comme ça, ils auront une petite zone pour spawner et ça ira très bien. Je vais faire en fait le même système que le spawner à zombies. Et voilà, ici. Donc du coup, on aura un truc qui est très rectangulaire. Donc ici, il faut que j'augmente encore de 1.
Tac. Voilà, comme ça, comme ça. Voilà, parfait. Voilà, ici on va le réduire pour que les squelettes ne spawnent pas trop loin du grinder. Et normalement là, c'est ok. On va aller vérifier ça de suite. On va s'éloigner un petit peu parce que j'ai le répulseur. Ou je vais couper peut-être le répulseur. Voilà, nickel. Ok, ça spawn. Et là, il va se faire défoncer. Non, il se fait pas défoncer. Si, c'est bon. C'est impeccable. Ça fonctionne. Par contre, je crois que je suis en manque d'énergie. Non. Non, non. Apparemment, ça a l'air de fonctionner. Donc, je sais pas pourquoi. Peut-être faire un truc, c'est que ici je vais l'arrêter. Arrête-toi. Voilà, on va l'activer. Ici on va récupérer ça. Comme ça, voilà. On va réduire le ray gun à 18 ou 19. J'espère juste que ça va fonctionner, ce que je veux faire. Alors, on va même faire mieux. Parce que là, j'ai un petit peu peur en fait du résultat. Donc, mince, c'est pas ça que je voulais faire non plus. Voilà, on va faire ça. On va aller chercher une autre Safari Ball. Apparemment, il y a un des moutons qui s'est fait tirer dessus. Il n'est plus qu'à 6 points de vie. Alors. Safari Ball. Voilà, on va en récupérer une autre. On va faire spawner un ou deux wizards. On va leur taper dessus et on va les récupérer. Oh, il pleut plus. On va aller les récupérer une fois qu'ils sont un peu endommagés. Ce qui fait que ça sera plus rapide pour le pour celui-là. Donc là, on va le désactiver, celui-là. On va activer ça. Non, c'est pas celui-là. Pourquoi ça spawn pas? Ah oui, parce que je suis dans la zone justement. Voilà, ça a spawné, nickel. Ça en spawn 2 même. C'est impeccable. 3. Aïe aïe aïe. Arrête-toi. Arrête-toi. Voilà, hop. Bon. Moi je suis un peu endommagé. C'est pas très très grave. Voilà. Alors, ici, on va réduire le railgun à 19, 7. Ah, ça sonne, je fais une petite ellipse. Et nous revoilà. Alors, en fait, c'était ma copine qui rentrait du boulot. Donc, je disais, on fait spawner le squelette. Et on va le tuer à coup de railgun. Ah non, peut-être pas le tuer. Ah merde. Pourquoi lui s'est enclenché? Voilà, parce qu'il a encore de l'énergie. Donc du coup ici il faut que je le remette en route jusqu'à ce qu'il se vide complètement. Et ce sera bon. Alors. Encore un petit peu. Voilà, c'est bon, là il est vide. Donc là, je vais pouvoir arrêter ce truc-là. Ah, arrête-toi. Non, 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 non. Bon, là ça devient trop le bordel. Oh, et j'ai craché. Donc on se retrouve de suite.
Donc voilà, maintenant j'ai eu quelques petits bugs avec mon ordi. Donc on a des squelettes avec un point de vie, ça va coûter moins d'énergie. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller faire une pièce pour faire spawner des wizards, des wizards avec de l'opsy partout. Parce que les wizards, ça fout un bordel pas possible sur le monde. Et normalement, avec le psy, on n'a pas de soucis à ce niveau-là. Alors, on va tout ranger dans le système apply. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, ghast, machin. Laser. Celui-là, je le garde. Et je veux juste vérifier quelque chose. Et donc nous avons déjà deux Wizard Skeleton Skull. Donc on a déjà deux têtes. C'est nickel. Donc là on va récupérer plein de stacks. Voilà. C'est pas grave si on n'a plus. On peut en refaire assez facilement avec une machine et de la lave. Donc Donc ça, je ferai un petit programme avec des turtles pour pouvoir défoncer les wizards. Comment je vais faire ça? On va le faire ici. Voilà. Alors, je sais plus combien ça fait de haut, combien ça fait de large, dans le doute. Je crois que ça fait 3 de large sur 3 de haut, si je me trompe pas. On va faire juste un petit tunnel. Et on va utiliser une turtle. Je vais utiliser la turtle que j'utilisais pour les golems. On va le faire l'autre sens. Alors cet arbre là, en plein milieu, c'est génial. Donc seul en opsie. Hop, ça c'est fait. Voilà, on va le faire tout petit. Pas du tout à combien il faut pour que ça spawn, mais on va voir si ça fonctionne. Enfin, le bunker, voilà. Dommage, je me suis loupé. Donc, alors. Voilà, comme ça. Ici, là, comme ça, on va faire ça, voilà, tic tic tic, merde. Alors, ensuite, donc les wizards, ça vole, ça envoie des boules de feu, c'est vraiment pas sympa comme bestiole. Donc on va lui laisser juste petit peu d'espace quand même pour pouvoir monter. Alors combien j'ai là? 1, 2. On va fermer ici, on va voir ce que ça donne. Voilà. Non, il me faut 3 têtes et de la soul sand. Si ça fonctionne, ce sera nickel. Alors, soul sand. Il en faut 4. 4, pas 3.
Et... non. Nickel, on a déjà 7. Donc on va pouvoir faire une farm réellement. Donc je vais mettre un petit contrôle à distance, enfin un contrôle avec un levier comme je l'ai fait pour les autres, pour pouvoir l'arrêter à distance, parce que ça me stresse. Long. Alors, je vais récupérer la pioche, enfin la hache que j'avais récupérée dans ce chest. Je sais pas du tout à quoi ça sert. On va voir si ça va mieux ou pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est trop bien. En fait, ça coupe le bois en partant du haut. Donc ça sera super utile pour le grand arbre. Donc maintenant, ça et ça. Alors, hop. Voilà. Aux abris. Donc là, elle reste, il reste bien à l'intérieur, c'est nickel. Donc là, il se remplit d'énergie. On va récupérer la turtle ici et on va voir si ça fonctionne. Et s'il se fait poutrer, ça sera nickel. Donc on l'entend, il s'énerve tout seul. Bah, il est parti. Pas bon, pas bon, il est là-bas. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, j'ai fait une bêtise. Défoncer Mickey parce que Railgun ça mettre à fond sur 30, tant pis parce que là il est en train de tout casser. Je vais me faire totalement poutrer si je m'en vais pas. Descend. Plus si ça régénère, c'est génial. Alors,
Je ne sais pas où il est. Là, toujours au même endroit. Et encore deux coups et il est mort. Voilà. Et je l'ai eu. Ok, donc ma technique n'était pas la bonne. Faut que je fasse un enclos un peu plus grand. Et j'ai pas essayé, je crois pas qu'avec un grinder ça fonctionne, mais bon, bref, ça a l'air de marcher à peu près. Il a dû sortir par là en fait. Bon, bah voilà, je vais améliorer ça et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout à l'heure. Et on se retrouve après une courte ellipse, enfin courte. Donc j'ai fait des tests en créa, j'ai regardé un peu sur des forums, sur les wikis et compagnie. L'opsy c'est pas une bonne idée, il faut de la bedrock. Un plafond en bedrock c'est le mieux. Donc on va faire une ferme dans le Nether, j'ai demandé à Mickey. Il va s'en occuper. Donc là pour le moment donc j'ai coupé la ferme à squelettes parce qu'on a 17 têtes, donc ce qui nous permettra de faire 5 withers. Donc les turtles ça ne fonctionne pas, j'ai essayé, ça fait carrément ça donne un coup et puis le wither se venge en faisant tout exploser. Pas une bonne idée, le grinder ne marche pas, donc il faudra vraiment que je fasse en sorte de trouver un système peut-être avec des pistons ou des choses comme ça. On verra comment ça va se passer. Donc prochain épisode, normalement Mickey sera de retour. Épisode spécial Wither et épisode spécial abeille. Les épisodes suivants, je pense développer un peu plus l'énergie pour pouvoir créer de la humateur. Chose que j'aurais besoin pour créer en fait la Gravity Chest Plate ainsi que les panneaux solaires parce que ça demande de la humateur. Si on regarde. Ah, pourquoi je suis en. Ah, bah c'est à cause du créa en fait. Voilà, il s'hype. Ok. Solar panel. Voilà, donc les simples, on n'a pas besoin. Par contre, dès qu'on va dans Advanced, ici, on a besoin de l'Iradium. Et là, je sais plus où c'est. Je sais qu'il y en a besoin pour. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est ça. C'est Scenarium. Et voilà, il nous faut deux humateurs pour l'upgrader. Après, l'hybride, il nous faut du Scenarium de nouveau. Donc là, ça a demandé aussi pas mal. Et l'Ultimate, il en faut, faut deux Scenarium. Ça en demande aussi, donc il faudra absolument que j'upgrade totalement, que je fasse un implosion compresseur, enfin tout ça je vais le développer, je vais le développer en fait par la suite, donc ça permettra au moins d'avoir de l'énergie un peu plus stable, qui ne demande pas beaucoup de ressources une fois qu'elle est lancée. Donc ça et puis bien sûr l'humateur qui sera essentiel pour la Gravity Chestplate. On va pouvoir le voir ici. Gravity Chestplate. Ici il va nous falloir pour je crois les Graviton Engine. Non c'est pas cela. Je sais plus. Enfin il y a ça demande aussi des Quantum, c'est peut-être là, non, non. L'apotron, non. Je sais plus lequel c'est.